Bonjour à tous. Voilà presque un mois que j'ai rejoint les équipes de Livre Noir. Et depuis mon arrivée, j'ai été témoin du travail acharné de mes collègues sur le tout nouveau magazine qui va bientôt voir le jour. Et laissez-moi vous dire, il va être sensationnel et unique. Ce magazine explore l'extrême gauche dans toute sa diversité. Des écologistes aux LGBT, en passant par les mouvements islamistes et les associations pro-migrants. Nous allons vous plonger au cœur des idéaux, des luttes et des aspirations de ces mouvements extrémistes, avec une journaliste qui s'est mêlée à eux durant près de 6 mois et qui nous a ébahis par son courage et sa ténacité. Ce magazine va vous offrir un regard inédit sur des réalités souvent mal comprises. Nous allons plonger au cœur de ces mouvements, révéler des histoires et des perspectives qui n'ont jamais été vues auparavant, avec des preuves et des confessions. Vous n'avez pas idée de l'étendue des vérités dissimulées par l'État et les médias mainstream qui sont souvent de mèche avec ces groupuscules. C'est la raison pour laquelle nous attendons à un torrent d'insultes, de menaces, voire de procès médiatiques et judiciaires. Mais vous le savez, je n'ai jamais eu peur de me rendre sur les plateaux de télévision pour débattre sans rien céder face aux adversaires d'extrême gauche. Mais eux ont plus d'armes que nous. Des associations pour les soutenir telles qu'SOS Racisme qui mènent un harcèlement judiciaire grâce à votre argent et des médias dont l'unique colonne vertébrale est la fameuse lutte contre l'extrême droite imaginaire. Il est donc indispensable que vous fassiez un acte aujourd'hui après avoir visionné cette vidéo. Précommandez ce magazine, abonnez-vous et menez ainsi la lutte à nos côtés. Ces journalistes de Livre Noir qui ont enquêté ont tout risqué, leur carrière, leur vie personnelle et demain leur tranquillité. Soyez au rendez-vous, je compte sur vous. Croyez-moi. Vous ne serez pas déçus en découvrant ce magazine le mercredi 10 avril dans vos boîtes aux lettres pour ceux qui sont abonnés ou en kiosque. À très vite et merci.